Quel nom portera la 17e promotion de l'école gendarmerie de Dijon? La 17e promotion de l'école de gendarmerie de Dijon portera le nom de gendarme René Marmora. Peuvent-ils recevoir leur galon de gendarme? Que leur beau galon de gendarme leur soit remis! Oui, mais j'ai fait un bac littéraire d'abord en 2015. Ensuite, j'ai pas souhaité continuer mes études. Je suis partie m'engager dans la sécurité civile. C'est l'armée de terre, arme du génie. Donc j'ai fait un an en tant que sapeur-sauveteur dans la sécurité civile. Et ensuite, étant donné que ça m'a pas aussi plu que je le pensais, je suis partie en tant que gendarme adjoint volontaire. J'ai fait un an et demi à la brigade de mandoline à la poule, à la compagnie de Cannes. Et ensuite, j'ai passé le concours sous-officier à peu près en même temps. La formation est dense et ça commence à être un peu long au bout de 8 mois, mais en soi, c'est faisable, largement faisable. Je pense que major promo, oui, c'est un rêve un peu pour tout le monde, mais je ne pensais pas arriver à ce niveau-là. Qu'est-ce qui m'a permis d'arriver major? Je pense qu'en tant que fille, c'est le sport qui a beaucoup aidé à faire que je termine major promo. Je suis affectée à la brigade de Frangy, en Haute-Savoie. Gendarme René Marmora, dans nos mémoires tu resteras, jeune héros de la résistance, qui donna sa vie pour la France, de ma patrie j'étais l'aîné. Un homme d'honneur si dévoué, qu'en 43 j'ai donc choisi de servir la gendarmerie, gendarme. J'avais cette grande ambition de libérer ma chère patrie, du bâillon de l'occupation. Serrer les mains de l'ennemi, de l'ennemi.